Rebonjour Eva. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question qu'on me pose souvent et que parfois je me pose aussi. Comment relier la théorie à l'improvisation en jazz? Ouais, ça c'est une question qui est assez cruciale parce que ça, on touche aussi au sujet de à quoi ça sert de connaître toutes ces notions théoriques. Est-ce que ça va nous faire mieux improviser? Et pas toujours. Mais c'est ça. Et moi, je connais beaucoup de musiciens, comme je joue beaucoup de jazz manouche, ouais. Je connais beaucoup de musiciens qui c'est comme s'ils créaient leur langage dans leur tête, mais alors ils savent même pas en quelle tonalité, même pas quel accord ils jouent, mais par contre, Ouais, ça joue. Enfin, j'imagine que c'est un discours hyper riche et. Ouais, mais bah, par exemple, enfin, j'ai une petite anecdote, c'est que je joue avec le guitariste Ninin Garcia. Ah, je connais pas. Et quand il me fait chanter aussi, donc ouais. Du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois sur scène, donc de chanter un morceau, mais de lui dire alors ça c'est en ré mineur, et il dit c'est quoi ré mineur? Donc je lui montre la case. Et à partir du moment où il a juste la case du premier accord, c'est bon, il le fait tout parfait. Ouais, c'est fou. Ah, ouais. Voilà. Donc. Et ça c'est super, mais. Alors moi je pense, ma théorie derrière ça, c'est que ce genre de profil que tu décris, et puis on le retrouve tout au long de l'histoire du jazz, par exemple, il est dit que Harold Garner, le pianiste, ne savait pas lire une seule note de musique, quoi. Alors que bon, on voit le discours mirifique de Harold Garner quand même. Ouais. Et ma théorie c'est que ces gens-là, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont pu s'immerger depuis tout petit dans... tout ce monde-là, tout cet idiome-là du jazz, et ils ont appris à parler, enfin le jazz, moi je considère ça vraiment comme un langage, ouais. Ils ont appris à parler en écoutant, en reproduisant, sans forcément comprendre ce qu'ils faisaient, mais à force d'essais, d'erreurs, à force d'entendre des choses, à force de pratiquer, ça s'est fait tout seul, et ils savent parler. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus quand même sur l'harmonie. Je pense pas que du coup vous ayez ce profil et que ça joue tout seul pour vous. Pour les gens qui ont ce type de profil, je pense que la théorie, ça va être un accélérateur. Quelque chose qui va faire que, ok, on va comprendre ce qui se passe, comme ça on peut reproduire, on peut travailler vraiment en conscience précisément, et ça nous prend beaucoup beaucoup moins de temps que si on faisait ça à la dure. Enfin, moi j'ai appris personnellement les notions théoriques, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais comme j'avais relevé beaucoup de Charlie Parker, comme j'avais relevé beaucoup de Chet Baker, beaucoup de Miles Davis, finalement j'avais des phrases, des choses, et puis bon, j'ai évolué dans un milieu où la musique était très présente, donc toutes ces choses-là, ça s'est mixé dans mon cerveau, si bien que j'arrivais à jouer quand même, et avoir un discours quand même assez intéressant. Mais ah, après... T'es passé d'abord sans harmonie. Absolument. Ah, absolument. Intéressant. Et après, j'ai tout étudié, j'ai lu le livre de la théorie du jazz, etc. Mais parce que j'étais arrivé aussi à un palier, un truc où, pour progresser, il fallait que j'en passe quand même par là et lire notamment le livre de Mark Levin, le livre de la théorie du jazz, ça m'a débloqué énormément de portes. Mais je pense que ce genre de livre, justement, pour beaucoup aussi, dont je fais partie... Ouais. Ça paraît des espèces de montagnes, et puis on est là, on est perdu, c'est trop d'informations et tout. Et puis du coup, c'est vrai que parfois, on a envie aussi d'avoir des chemins plus simples, plus directs. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, ça peut... Moi, je trouve que l'harmonie, par avoir des connaissances en théorie, ça peut accélérer le processus, ou si on les comprend. Si ou on pas. Les comprend, ouais. Et puis, pas. Moi, au début, ça n'accélérait rien du tout, si ça m'en mêlait les pinceaux. Aussi, ouais, c'est ça. Moi, au début, je mélangeais tout, du coup, je comprenais rien. Ouais, et puis, c'est après, en comprenant vraiment les choses, que ça m'a vraiment aidé. Et oui, et surtout, je pense que c'est hyper important pour toute notion théorique qu'on aborde, qu'on étudie vraiment des exemples de comment c'est utilisé concrètement par les maîtres, par les grands jazzmen, qu'on ait des exercices, qu'on obtienne des exercices pour nous pouvoir les intégrer dans notre jeu, dans notre discours d'improvisation. Et c'est notamment dans cette optique-là que moi j'ai créé jazzcomposer.fr. Et je pars vraiment du discours des maîtres pour mettre en lumière une notion théorique, et ensuite je donne des exercices pour qu'on puisse se l'approprier. Ouais, c'est ça qui est super. Ouais. C'est vrai que toi aussi, dans ta méthode 2-5-1, finalement, tu pars de... il part de phrases de grands musiciens. Ouais. Bon, après, c'est spécifique au 2-5-1, mais ouais, c'est aussi c'est vraiment ce truc de prendre... C'est spécifique au 2-5-1, mais c'est quand même
sur toute ma pédagogie, c'est quand même le mot d'ordre, c'est on part du langage des grands jazzmen, on essaye de comprendre ce qu'ils sont en train d'utiliser comme notion théorique, on en passe là par cette étape de compréhension, et puis après, on a des exercices qu'on peut travailler pour l'intégrer, nous, pour nous, et pour pouvoir l'utiliser à notre tour. C'est vrai que c'est ça la clé, en fait, c'est comprendre pourquoi, pour comprendre vraiment à quoi ça sert, entendre. Moi, je me rappelle qu'au CMDL, donc à l'école de Didier Leroux, j'avais vraiment parfois des petites ampoules qui s'éclairaient grâce à Benoît Souris, qui jouait, qui donnait les exemples de mode et tout ça. Et là, je comprenais. Avant, je ne comprenais pas, mais j'ai eu besoin de comprendre vraiment l'application en l'écoutant, en la travaillant moi-même aussi, pour faire le lien, en fait. C'est ça. Là, je comprends, moi, je suis à fond avec toi là-dessus. Donc du coup, c'est vachement bien. Ouais. J'ai bien de jeter un coup d'œil et j'ai dit, ah mais c'est trop bien ça. Ça, pour vous expliquer un peu, c'est une méthode, c'est le deuxième volet, il y a le premier volet qui est juste en dessous. Ce sont deux méthodes qui sont, la première a pour but de maîtriser le 2-5-1 majeur, donc second, cinquième et premier degré d'une tonalité. C'est une cadence, une progression d'accord qu'on retrouve dans toutes les grilles de jazz presque. Le second volet, c'est pour les 2-5-1 mineurs. Donc l'équivalent, mais en tonalité mineure. Et donc j'ai retranscrit 13 phrases sur cette cadence issues du langage des grands jazzmen. Donc c'est vraiment directement issu des disques. Et donc je les ai transposées dans toutes les tonalités. Et via 3 exercices, donc le premier c'est l'apprentissage, la transposition de la phrase. Le deuxième c'est la mise en situation de la phrase dans le contexte d'un morceau, très très important. Le troisième exercice c'est la variation, donc on prend la phrase et puis on écrit des variations, qu'elles soient spontanées ou alors vraiment écrites sur papier. Et donc via ces 3 exercices, on s'approprie le langage des grands jazzmen et les notions théoriques qui sont derrière, sachant que j'ai fait exprès de garder ces phrases-là, de les sélectionner pour qu'elles soient le plus simples possible, qu'elles ne contiennent pas de modes alambiqués, de chromatismes ou alors de gammes qui n'ont pas de nom. Non, c'est vraiment du langage le plus diatonique possible. On a un petit peu de gamme bebop à l'intérieur, et à part ça... Mais c'est génial parce que c'est un gain de temps. Moi, j'ai fait ce travail-là, mais pour faire ce travail-là, donc j'ai souvent relevé des solos en entier... Et ensuite, prendre une phrase, la transposer dans toutes les tonalités, la déformer. Ah, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait. Mais là, du coup, c'est déjà. Ce qui est un exercice vraiment super et qu'on vous encourage vivement à pratiquer par ailleurs. Donc, c'est ça. Mais là, ça vous mâche le travail. C'est vrai. Donc, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Là, les phrases sont super. D'ailleurs, comme c'est des 2-5-1, dans la prochaine vidéo, on va parler un petit peu plus des 2-5-1. Eh oui. À bientôt. À bientôt.